Franchement, c'est bien, non? Ils ont eu 100 fois raison, c'est vaste, c'est paisible. Tranquille. Ça, pour être tranquille. Un grand jardin comme ça, moi, ça me... Je sais pas, moi, ça me... Pas toi? Non. Pourquoi? Déjà, je trouve ça loin. Loin? D'où? Loin. Loin du centre. Ah bon? Mais, du centre de quoi? Le centre. C'est pas grave. Bah, le centre, excuse-moi, c'est un concept subjectif. D'un point de vue strictement géométrique, ça n'a de sens que si tu décris un périmètre autour. D'accord. C'est une notion un peu plus relative. Bon, sois gentil, Yvan. Arrête d'enculer les mouches. Tu comprends très bien ce que je veux dire. C'est loin de chez nous. Ça te va, ça, comme périmètre géométrique? En tout cas, moi, ça me plaît. Et si tu veux un argument objectif, la campagne, c'est quand même mieux quand on a des enfants. L'espace, le grand air... C'est vrai, ça, c'est très juste. Seul petit détail, des enfants, nous, on n'en a pas. Ouais. Ton frère et ta belle-sœur, non plus, n'ont pas d'enfants. Non plus. Alors ton argument, tu te le gardes. Bon, tu vas en venir où, là? T'es d'une mauvaise foi en ce moment. Je comprends très bien que t'aies pas envie d'habiter à la campagne, mais tu peux pas nier que c'est un bel endroit. Si, je le nie. Je le nie. Je trouve cette maison sinistre et pour rien au monde, j'aimerais habiter là-dedans. C'est froid, c'est lugubre, il n'y a rien. C'est mort. Fin de l'histoire. Ouh là là. Ouais, ouh là là. On peut savoir ce qui vaut le plaisir de cette jovialité? Rien. Vivement qu'on dîne et qu'on rentre se coucher. Eh bien, quand je te vois comme ça, j'ai tout de suite envie de me retrouver demain matin. Pour une fois, nous sommes parfaitement d'accord. Mais fallait me dire, t'avais pas envie de venir. Mais je te l'ai dit. Je te l'ai dit, je te l'ai redit. Tu m'as répondu, on ne peut pas faire ça, mon frère. Bon, ben maintenant que t'es là, mais c'est un peu du tien. Eh bien, je suis au maximum. Il fait froid en plus. Ah non, mais c'est impossible à chauffer ces maisons. Bon alors, qu'est-ce qu'ils fabriquent là? Ils sont en train de passer la tondeuse ou quoi? J'ai faim. T'as une pile électrique, bois, ça calmera. Bonne idée, tiens. Bois, hein. Hé, hey, tranquille. Alors, il vous plaît notre jardin? Elle est magnifique. Ouais, et la maison, elle est bien, non? Elle est géniale. Ça donne envie de vivre à la campagne, ça. Hein? Ouais. Complètement. Ah ouais. C'est exactement ce qu'on se disait avec Yvan. Ah ouais, bah nous, ça a été le coup de foudre immédiat. Tu m'étonnes. Ah ouais, on l'a vu, on s'est dit, hein, ouais, enfin bon, immédiat, le coup de foudre. Tu m'étonnes. Je ne voudrais pas avoir l'air de pinailler, Francky, mais un coup de foudre, c'est forcément immédiat. Ou alors, ce n'est pas un coup de foudre. Ouais, bien sûr, Oui, pléonasme, je dis toujours un coup de foudre immédiat, c'est une connerie. Total. Bon, Mathilde, on n'est pas à l'Académie française, là. Je confirme, nous ne sommes pas à l'Académie française. Non, elle a raison, souvent on parle et sans s'en rendre compte, on fait des fautes de français énormes, il n'y a personne pour les corriger. À part Mathilde, bien sûr. Comme quoi ça sert, hein, une prof de français comme belle-sœur, Vous faites la température, ça va pour vous? Oui, non, vous n'avez pas un peu froid? Un peu froid? Pas du tout, on gèle! Ah bon, parce que moi je me rends pas compte, c'est Nicole qui me l'a fait remarquer. Mais les femmes sont plus frileuses que les hommes, c'est une question de métabolisme. Voilà, ce sont les petits inconvénients de la campagne, hein, et des bonnes femmes. Non, alors. Je vais voir si je peux remonter le chauffage, hein, et après j'irai regarder le canard. C'est ça, va donc regarder le canard. Ça me coûterait beaucoup de rester poli. J'ai insulté quelqu'un? Non, mais c'est le ton que tu as. Alors ne me demande pas de rester poli. Demande-moi de changer de ton. D'accord, tu veux bien changer de ton? Non. Ah, il commence à faire frais, hein, ouais. Le soir, hein, ça va vite. Hein. Tiens, douche. Hein? Ouais, aujourd'hui, je me suis même dit, tiens, je vais peut-être m'acheter des mitaines pour la maison, hein. Oh, ben ça va, c'est encore supportable. Bah alors? Comment vous trouvez le jardin, hein? Vous ne vous avez pas dit? Magnifique. Oui, hein, ouais. Ça a beaucoup joué dans notre décision. Hein. Ah oui, tous ces arbres-là, tout ce vert. On a eu un coup de foudre. Immédiat. Ah ben, en tout cas, on n'a pas hésité. Hein. Ouais. Si, ah si, un peu quand même. Hein. Soyons honnêtes, vu que c'est pas tout près de Paris. Hein. Mmh. Mais on s'est dit, ouais. Hein. Puis c'est peut-être idiot, mais ça donne très envie de faire des enfants. Lucière. C'est vrai. Pas vous? Si. Mathilde. Un, je n'ai aucune envie de me faire sauter dans un jardin.
En ce qui nous concerne, le problème est réglé parce que les enfants, on déteste ça. C'est vrai, ça coûte cher, ça fait du bruit, ça pourrit la vie des gens. N'est-ce pas, Yvan? Elle plaisante. Bon, alors tout ça c'est très très bien. Je suppose que vous devez être affamé, non? Passablement. Bon, le canard est encore au four, hein, mais de toute façon on attend Talia. Talia? Ben oui, je l'ai invitée. T'as demandé à Talia de venir ce soir? C'est qui Talia? Ben, j'ai mal fait. Non, j'ai pas dit ça. C'est qui cette Talia? Parce qu'on est assez nombreux, hein, c'est pas une personne de plus qui va changer quelque chose. C'est pas la question. Qui est Talia? Bordel! Et pourquoi tu cries? Mais parce que personne ne me répond. Talia est la secrétaire de Francky. Pourquoi tu l'as invité? Oh, ben, tu sais, à vrai dire, c'est venu un peu comme ça. Tu sais, des fois, on fait des trucs sans trop réfléchir. Hein. Ben, j'ai téléphoné cet après-midi à Francky, il était absent. Hein. Donc, j'ai papoté avec Talia. Bon, elle voulait savoir si on était bien installé dans la maison, tout ça. Et puis, il m'a semblé, hein, peut-être que je me trompe, mais il m'a semblé qu'elle avait une petite voix cristounette. Alors, je lui ai demandé si ça lui dirait de passer ce soir pour prendre la crémaillère avec nous. Elle a carrément sauté sur l'occasion, hein, ce qui me fait penser que j'ai bien fait. Mais... Quoi? Là, je trouve cette idée un peu étrange. Étrange? Ah, oh, bah c'est marrant, c'est exactement ce que m'a dit ton frère. Tu la connais bien? Talia? Oui. Bien, non. Un peu comme ça. Un peu comme ça, c'est-à-dire? Vaguement. Bah ton frère m'a dit que c'est toi qui lui as présenté. Tu as présenté cette femme à ton frère? Oui. Eh bien, dis-le. Eh ben, je le dis, voilà, je le dis. Laisse-moi parler, tu poses une question, tu ne me laisses pas répondre. J'ai effectivement présenté Talia à Francky. Il se trouve que j'ai défendu Talia en tant qu'avocat. Tiens, tiens. Oui, pour du pénal, harcèlement. Tu acceptes ce genre de cas, toi? A priori, non, mais son histoire m'a ému. Elle t'a pris toi comme avocat, pour un simple harcèlement? Oh, c'est pas si simple, le harcèlement, Nicole. T'as vite fait passer pour une menteuse. Ah ben, Francky m'a jamais raconté ça. Hein. Ah ben, c'est pas non plus l'information capitale. Je l'ai défendu, j'ai juste fait mon métier, point à la ligne. Mais comment elle est, cette Talia? Normal. Mais encore? Bon, moi, je peux pas dire que je la connaisse très bien, mais elle est très gentille. Hein. Puis alors, surtout, très 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 jolie. Très 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 jolie. Oui, 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 je dirais même assez impressionnante, hein. Non, c'est pas ton avis. Bon. Hey, Nicole te demande ton avis. Bah, je viens de répondre avec une mousse sceptique, j'ai fait bof. Voilà mon avis. Mais quand tu dis impressionnante, Nicole, qu'est-ce que tu entends exactement? Elle impressionne qui? Mais personne! Elle impressionne absolument personne. Mais il faut pas que ça vous mette dans des états pareils. Hein. Ça nous met dans aucun état, on était dans le même état avant. Alors. Où est-ce qu'il a disparu, Francky? Il est à la cuisine, il surveille le canard. Eh ben moi, je vais surveiller Francky. Vous vous réservez en attendant, voilà. Allez-y, faites honneur. Hein. Ça va? Très bien. Tu as l'air... J'ai l'air quoi? Je sais pas. L'air un peu... J'ai aucun air. Alors, il est superbe le jardin, non? Il est magnifique. On ne s'en lasse pas. Eh, hey, une splendeur, hein? On imagine plein d'enfants trottiner un peu partout. C'est des maisons aussi belles à ce prix-là, moi je peux vous dire en tant que spécialiste, il n'y en a pas tant que ça sur le marché. Ça, ils ont bien fait de se dépêcher. Hein. Grâce à toi, Christelle. Mais oui, n'hésitons pas à dire, grâce à moi. Enfin, grâce à moi, grâce à mon agence. Depuis 6 mois, on s'est spécialisé dans l'immobilier haut de gamme. Ça marche du feu de Dieu. Oui, on croit que les gens n'ont plus d'argent, mais c'est faux. Ils en ont de plus en plus. Bon, le seul problème ici, c'est le chauffage. Hein. Ou il fait trop chaud, ou il fait trop froid. Non, là, du coup, je me suis pas assez couverte. On s'écaille, tu veux dire? J'ai le bout des seins dur comme de la pierre. J'aurais pas dû mettre ma robe Sonia Riquel, c'est beaucoup trop léger. Tu me passes mon Hermès? Ton quoi? Mon écharpe. Oh! Au fait, tu la trouves comment? Ta robe? Ben oui, elle te grossit peut-être un peu. Tu téléphones à qui, là? À Théo, voir si tout va bien. Non, 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 non. Oui, Théo, c'est moi. Non? Mais non, juste pour m'assurer que... Oui, d'accord. D'accord, mais après, tu te couches. Et tu ranges, s'il te plaît. Oui. Bisous, mon chéri. Bon, c'est Théo, il n'a pas faim, il fait une partie d'échec avec l'ordinateur. Il n'est pas plutôt sur Internet, devant un site de cul?
Je t'arrête tout de suite, Mathilde, c'est pas du tout son genre. Non, il est encore un petit peu jeune. La masturbation, c'est tout le monde, hein. Et ça commence très tôt. Bon, Mathilde, s'il te plaît. Je vous apporte encore des petites choses à grignoter. Mais vous gardez une place pour le canard, hein. David? Oui? Pendant que je te tiens. Hein, tu m'as dit que tu jetterais un coup d'œil. Enfin, Nicole, pourquoi tu prends pas rendez-vous? Non, non, merci, non. 2 mois d'attente. Non, non, tu viens chez moi, j'en profite. C'est vrai, j'ai la star à domicile, alors je vais pas faire la queue comme tout le monde, hein. Ah, mais moi, je peux rien faire ici, hein, non, Nicole. Non, je te demande pas de faire, je te demande seulement de regarder. Tu regardes et tu me dis ce que tu vois. Bien. Bah, si toi, hein. Pardon. Allez, ouvre grand. Non, plus grand. Fais A. Ah. Oh putain, le merdier. Attends, c'est Bagdad. Ça fait combien de temps que t'as pas été te faire examiner? Ma dentiste est partie à la retraite et pour tout te dire, son remplaçant ne m'inspire pas. Il est quelque chose comme malgache. Mais il est dentiste? Oui, oui, il est dentiste, oui, mais il est malgache. Il y a des dentistes en France qui se permettent d'être malgaches! Oh, mais non, 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 Mathilde, c'est juste que c'est inhabituel. Tu vois, bon, c'est comme si t'allais dans un restaurant chinois que c'était tenu par des Auvergnats. C'est bizarre. Oui. Donc, un dentiste ne peut être que français. Mais enfin, ça la regarde, les dents, c'est intime. Intime? Oh, tu m'as l'air intime, toi. Bon, Nicole, ouvre grand. Bon, comme ça, au bas mot, hein. Alors, tu as 3 caries, une dent qui se déchausse. Oh, puis il y a ton bridge qui est en train de se barrer, là. Il est là au moins pour 2 mois de travaux. Ah, bon temps que ça, parce qu'en mangeant de l'autre côté, j'ai pas mal, hein. Bah, évidemment, si tu manges de l'autre côté, t'as tout résolu. Et moi, je te le dis, hein, tu peux pas rester comme ça. Ou alors, tu vas tout droit vers de gros emmerdements. Bon, faut que j'appelle ta secrétaire pour prendre rendez-vous. Oui, tu vois avec elle, parce que franchement... C'est bon avec une fourchette, hein. Non mais Nicole, c'est pas une bonne idée. David n'a pas le temps, il est archi-booké. Il pourra pas bien s'occuper de toi. Ah bon? Bah alors, comment je vais faire? Si tu ne vas pas chez ton malgache, il y en a d'autres. Ce ne sont pas les bons dentistes qui manquent. Tu vas sur pagejaune.fr. Bon. Tu écris dentiste et tu choisis. Va chez le mien. Il est pas très compétent, mais il est breton. J'aurais pu l'apprendre, hein. Je ne trouve pas ça très simple, soigner les gens de sa famille. Ça, je suis assez d'accord. En plus, tu es très cher, tu vas quand même pas la faire payer. Oh, bien sûr que non, écoute. Eh ben voilà, c'est du manqué gagné. Bon, qu'est-ce qu'on attend pour passer à table? Oui, hein. Moi, je meurs de faim. Ça traîne. Il paraît qu'on n'est pas au complet. Qu'est-ce qui manque? Il manque Talia. Talia? Attends. Talia est invitée? Comment ça se fait, ça? C'est Nicole qui a eu cette brillante idée. Et... C'est qui, Tania? Non, Talia. Avec un L. Oui, avec un L, autre chose, c'est qui? Elle travaille avec Frankie et... Sa secrétaire, paraît-il. Je la connais pas, moi. J'en ai jamais entendu parler. Moi non plus. Tu la connais bien, toi? Hein? Je connais bien. On ne connaît jamais totalement les gens, hein. On n'en connaît que des aspects. Et en ce qui te concerne, c'était quels aspects? Quels aspects? Du coup. Buco dentaire, je l'ai soigné. C'est ta patiente. Oui. Enfin non, Frankie me l'a envoyé. Et je l'ai détartré 2 fois. Tu l'as détartré 2 fois, donc c'est ta patiente. Si tu veux. Si tu veux, c'est ma patiente. Non mais moi, je veux rien, je demande. Il paraît qu'elle est très jolie. Qui ça, Talia? Nicole a même dit impressionnante. Oh ben non, elle a exagéré. Elle est pas impressionnante, hein. Elle est... Jeune? Ouais, si on veut, 25-26. C'est jeune. Bah, ça dépend. Bah non, David, ça dépend pas. 26 ans, c'est jeune. Te fâche pas, Christelle, d'accord, elle est jeune, enfin, je vois pas ce que ça change. Hein. Jeune et impressionnante. Non, non, impressionnante, je suis pas d'accord. Je réfute. Comment tu la définirais, toi, Yvan?
Moi, comment je la définirais? Pourquoi moi? Parce que tu la connais. Mignonne. Voilà, mignonne. Ah non, mais elle a tout à fait résumé. Hein. Elle est mignonne. En fait, si je comprends bien, cette fille, vous voulez être refilée entre frères. Non, mais ça veut dire quoi, ça, Mathilde? Bah oui, franchement, excuse-moi, tu vas en venir, là. Tu l'as défendue en tant qu'avocat. C'est la secrétaire de Francky, et elle a pris David comme dentiste. Elle s'est fait le brelan. C'est une façon de voir les choses. Ah, vous la connaissez tous les trois? On l'a côtoyée! C'est tout. Celui qui la connaît le mieux, c'est Francky. Il travaille tous les jours avec elle. Alors, forcément. Mais nous, on peut pas dire qu'on ait des relations régulières. Oh non! Moi, je me suis juste penché sur sa dentition. Bon, ben, c'est pas connaître, ça. Bon, c'est vrai, je vois des centaines de dents par jour. Bon, ça, je m'en plains pas, c'est mon métier. Enfin, je peux pas dire que je connaisse intimement tous leurs propriétaires. Bon, elle est quand même assez intime pour avoir été invitée ce soir. Ben, à mon avis, pas assez. C'est ce qu'on appelle un défaut d'appréciation. Voire une connerie béante. Ben oui, parce que personnellement, je désapprouve. C'est une soirée privée, presque familiale. Je vois vraiment pas ce qu'il va foutre ici, c'est n'importe quoi. Mais ça, ce sont les initiatives de Nicole, mais bon, elle est chez elle, elle fait ce qu'elle veut. Hein. Ça, chacun fait comme il sent. Hein. Yvan, passe-moi les cacahuètes. Pardon? Les cacahuètes. Où ça, les cacahuètes? Juste devant toi, elles te crèvent les yeux. Et voilà le carburant. Eh bah, ben, qu'est-ce qu'il y a qui va pas Tiens, vous avez toujours froid, ça va se réchauffer, j'ai remonté le chauffage. Faut savoir ce qui vous a pris d'inviter Talia. Non, je t'ai pas invité, moi je t'ai pas d'accord. C'est Nicole. Ah. Vous connaissez Nicole, il y aurait un SDF qui sonnerait à la porte, elle l'installerait dans la chambre à coucher. Et... Ah, parce qu'en plus elle est SDF, hein. Non, c'est une image, Christelle. En même temps, c'est pas non plus complètement aberrant qu'elles soient invitées, Francky. Oui. Si tu la vois tous les jours. Je la vois tous les jours dans un cadre strictement professionnel. Elle répond au téléphone, elle dit bonjour aux gens et elle apporte les cafés. Elle est hôtesse, secrétaire, standardiste. Et accessoirement, c'est une bombe sexuelle. Pardon? Je suppose qu'il faut avoir un physique agréable pour tenir un poste pareil. Oui, la présentation a son importance, oui. C'est ce que je dis. Mmh. T'aurais pas pu prendre une mocheté pour occuper cette place. Attendez, entre physique agréable et bombe sexuelle, il y a une nuance. Hein. C'est un métier de contact. C'est sûr que quand un client passe la porte, il est mieux disposé s'il voit une jeune femme charmante à l'accueil. Voilà, elle est avenante. Avenante? Tu en es content? Content. Professionnellement, elle veut dire. Sois clair dans tes questions, Mathilde. On lâche dans le flou artistique avec toi, là. Professionnellement, Francky, elle te satisfait? Elle me satisfait complètement en tant que chef d'entreprise. Oui, sinon je ne la garderai pas parce que je demande beaucoup à mes employés. Quoi exactement? D'être à l'heure, de bien bosser, de se défoncer. De la ponctualité, de la compétence et de l'implication. J'ai compris, je te remercie pour la traduction. Hein. Je vois pas pourquoi on en parle autant, vous la verrez quand elle sera là. Hein. Bah, sa présence a l'air de faire tout un pataquès. Hein. C'est incongru. Moi j'ai une secrétaire, je la vois tous les jours, je l'invite jamais à dîner à la maison. Oui, mais la tienne, elle est moche, elle fait peur aux enfants. Compare ce qui est comparable. Hein. Mais ça n'a rien à voir. Quel genre d'affaires tu as eu avec elle? Hein? Quel genre d'affaires tu as eu avec cette fille? Mais j'ai pas eu d'affaires, Mathilde, arrête ta parano. Ma parano? Mais quel parano? C'est toi qui es parano. Quel genre d'affaires en tant qu'avocat? Tu es avocat. Un avocat, ça travaille sur des affaires. Ah bon? Tu m'as fait peur. Précise, Mathilde, quel genre d'affaires, je te l'ai dit? Harcèlement. Qui l'a harcelé? Pourquoi tu t'énerves? C'est toi qui t'énerves. Je te pose une question simple. Qui l'a harcelé? Un de ses ex. Un connard, à moitié taré. Il l'a fait à 3h du matin. Il l'a menacé, il voulait la vitrioler, lui balancer de l'acide sur le visage. Il fallait bien faire quelque chose, non? Pourquoi il l'a menacé? C'est un malade, je te dis! Il n'arrivait pas à digérer qu'elle l'ait quitté. Le truc classique, il y a des mecs quand ils se font jeter, il est méchant. Et pourquoi elle l'a jeté? Excuse-moi, Mathilde, je n'ai pas emporté le dossier avec moi. Peut-être qu'elle aimait plus. On arrive à comprendre, déjà extérieurement, esthétiquement, il faisait pas le poids. Alors qu'elle... Tu disais qu'elle était seulement mignonne. Oui, mais lui, il avait une gueule de cauchemar, avec en plus une situation médiocre, un loser, un personnage lamentable. Alors, elle est venue me consulter, on a porté plainte. Et tu as gagné? Mais bien sûr, j'ai gagné, enfin.
Le type a été condamné. Oui, lourdement. Condamné à quoi? Combien? 3 mois avec sursis, mise à l'épreuve et des dommages et intérêts, mais je ne sais plus exactement le chiffre. Et alors? Et alors c'est tout. Elle ne t'a pas remercié? Ben si, bien sûr. Elle t'a remercié comment? Elle m'a dit merci, maître. Pourquoi, il y a d'autres façons de remercier? Quand on est une femme, ouais. Ah bon? Rien d'autre? Si, elle m'a payé. Normal, non? Elle avait de quoi? Bon, Mathilde, c'est quoi toutes ces questions? Mais rien, je m'étonne. Eh ben, faut vraiment pas pourquoi, mais bon, étonne-toi, ça peut te faire du bien. Hein? Et alors, tu as été assez proche d'elle pour la recommander à ton frère? Proche, non. Elle m'a dit qu'elle était au chômage et qu'elle avait travaillé comme secrétaire dans l'informatique. Alors, par association d'idées, je lui ai parlé de Francky parce qu'il travaille dans l'informatique. Tu vois, il y a de la logique là-dedans, hein, Francky? Oh, bah oui. Ah! Et toi, David? On peut savoir comment elle atterrit dans ton cabinet? Mais de façon archi-banale. Elle se plaignait de ses dents et Francky lui a parlé de moi. Voilà. Je te rappelle que je suis dentiste. Eh oui, et voilà. Et moi, quand on me demande si je connais un bon dentiste, je suis peut-être de mauvaise foi, mais je parle de mon frère. De même, si on me demande si je connais un bon avocat... Encore ta mauvaise foi, tu parles de ton autre frère. Eh, c'est ça, l'esprit de la famille. Qu'est-ce qu'il y a? L'esprit de famille. Oh. Tout va bien. Bon, on en est où avec ce canard? Il est mort ou quoi? C'est presque prêt. Bon, vous savez quoi? J'ai d'abord une idée assez marrante. Hein, plutôt que de s'installer dans la salle à manger à des places précises, hein, on va se la jouer buffet. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Écoute, on se joue comme tu veux, mais on se joue maintenant. Pour Talia, vous avez changé d'avis? Tout le monde est d'accord pour dire que c'était pas une bonne idée de l'inviter. Moi, j'ai jamais dit ça, Francky. Tu déformes. Au contraire, je trouve l'idée intéressante. Bon, si on mettait de la musique, histoire d'ambiancer un peu la soirée. Bonne idée. D'accord, je transmets. Ah ben, quand on parle du loup... Hein. Alors? Alors, eh ben, elle dit qu'elle se sent pas bien. Elle a pris des cachets. Si ça passe, elle vient. Si ça passe pas, elle préfère rester sous la couette. Mais de toute façon, elle a pas faim. Elle nous demande de dîner sans elle. C'est diplomatique? Ah non, je crois pas. Non, non, elle avait une petite voix plaintive. Elle m'a dit qu'elle a des nausées. Des nausées? Bah, c'est-à-dire... Qu'elle a envie de dégueuler. Bon, ben, ça règle le problème. Hein. Tant pis pour elle. Ah ben pourquoi t'es méchant? Qu'est-ce que j'ai dit de méchant? Ah ben tant pis pour elle, hein. Non mais c'est pas méchant, ça, chérie. C'est pas méchant du tout. Non, non. Ah bon. Bon. Juste une question. Francky? Oui. Oui, je te la pose à toi, tu vas peut-être pouvoir me répondre. Puisque tu es censé être a priori celui qui la connaît le mieux. Elle a fiancé, cette fille? Oh, alors là, j'avoue, à vrai dire, j'en sais rien. Et puis ça, ça relève de la vie privée, ça. C'est important? Non. Alors pourquoi tu poses ce genre de questions? Mais j'ai moi aussi le droit de poser des questions pas importantes. Mais tu as tous les droits, ma chérie. Merci. Bon, Christelle, pour te répondre, je ne l'ai jamais questionné là-dessus, voilà. Mais vous savez, au boulot, on parle de boulot, hein. Allez. Moi, je vais demander... Elle a demandé si elle avait un fiancé, pourquoi? Eh bien, pour savoir si elle venait seule. Tu sais, quand tu cuisines pour plusieurs, eh bien, c'est important de connaître le nombre exact. Hein? Ben oui, c'est pas le même canard pour 7 personnes ou pour 8 personnes. Et alors? Qu'est-ce qu'elle a répondu?
Ah oui, ça m'intéresse. Eh bien, qu'elle viendrait seule. Mais j'ai l'impression qu'elle a une vie privée compliquée. Hein. Qu'est-ce que tu appelles une vie privée compliquée? Ah non, j'en sais rien, j'ai une impression. Bon, mais puisqu'elle s'est décommandée, nous, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Mais attends, Francky. Ouais. Tu as coupé ta femme. Mais non, 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 j'ai rien coupé du tout, moi. Mais si, elle allait finir. Ah ben, pardon, chérie, fini. À Brèche, carrément. Oui, bon, ben, on bavarde comme ça, hein, de temps en temps au téléphone, à propos de tout et de rien. Et une fois, elle m'a avoué qu'elle avait... comment c'était déjà? Non, non, parce qu'elle a employé une expression rigolote. Hein, une relation amoureuse très libre avec un homme qui l'est moins. Une relation amoureuse très libre avec un homme qui l'est moins. J'ai rien compris. Non, mais ça veut rien dire. Du charme bien complet. Moi, je trouve ça limpide. Ah bon? Qu'est-ce que tu comprends? Qu'elle couche avec un homme marié. Oh! Tu crois? Je suis assez d'accord. C'est même un peu plus clair. Oui, c'est un peu ce que j'ai deviné moi aussi. Nicole, ma chérie, tu veux bien aller chercher ce canard qui commence à se faire désirer lui aussi, là? C'est vrai, ça fait une demi-heure qu'on spécule sur la vie de cette femme qui mérite pas autant d'intérêt et qui en plus ne regarde pas, ça commence à devenir pesant. Hein. Oh là 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 là. Bon, Yvan, un peu de vin? Ah oui, volontiers. Voilà. Mathilde. Merci, ça va. Christelle. Merci, mon verre est plein, là. David. Bon, ça va, vous avez moins froid, là? Moi, c'est parce que j'ai bu. Moi aussi. Continuez de boire, hein, si c'est le seul moyen. C'est pas fini d'être meublé, là? Non, 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 il manque les trois quarts des trucs. Ouais, ouais, je me disais aussi. Vous allez choisir quel style? Anglais, c'est plus chaud. Ah, c'est pas mal, ça, anglais. Ça donne tout de suite un petit côté... Amicalement vôtre. Oui, Brad Sinclair. Voilà. Enfin, le genre manoir. Ah, c'est pas bête, ça, manoir. Ça donne un certain cachet. T'en penses quoi, toi, Mathilde? Alors, je m'en fous complètement. Et voilà la bestiole! Ah. Oui. Oh là là, magnifique. Oh. Bah oui, ça valait le coup d'attendre, hein. Ça sent bon? En tout cas, il est super, Nicole. Allez, bravo, chérie. Voilà, bravo. Bon, et alors toi, Yvan, c'est quoi l'affaire dont tu t'occupes en ce moment? Oh, bah, j'en ai plusieurs. Bah, parle-nous de la plus... Bah, j'ai une affaire de pot de vin avec deux députés impliqués et mouillés comme c'est pas permis. Mais ça, ils le changent. Hein. Des vrais politicards. Abus, arrogants. Hein. Et alors, c'est toi qui les défends? Ah non, non, moi je suis en face. Mais oui. Ah, bah. Et alors? Mais on s'en fiche, Yvan. Franchement, c'est ennuyeux, c'est pas intéressant, c'est... Oh! Vous êtes témoin, le métier que je fais n'intéresse absolument pas ma femme. C'est agréable. T'as taché ta veste. Bah, je vois pas le rapport. Y'en a pas. Bon, et toi, David, quoi de neuf? Ah bah tiens, justement. Ah, tu sais, les journées d'un dentiste, ça n'a rien de passionnant. Hein. Qu'est-ce que tu veux qu'il te raconte? Des histoires de bridge? Non mais moi, je demandais ça comme ça. Eh ben moi, je crois que j'ai un scoop. Ah bon? Ouais. Bah... J'attendais que tout le monde soit là, mais puisque Talia s'est décommandée, hein. Ben oui, ouais, mais vas-y, ma chérie. Vas-y. Bon, tu ne devines pas, mon amour? Non. Qu'est-ce que je pourrais vous annoncer d'important, là, ce soir, et qui réjouisse tout le monde? Non. Ben si. T'en es sûre? Oui, oui, le médecin m'a téléphoné cet après-midi, il était formel. Oh, mais là, là c'est génial. Mais alors ça, c'est ce qu'on appelle un doublé. La maison et maintenant le... Le doublé. Le doublé. Bah, t'es content? Oh là là, ouais, ouais. Non, je sais pas, non. Bah, tu m'en passes pas. Oui, mais pas de problème, monsieur. Eh ben, dis donc, c'est pas un baiser fougueux, ça. Bon, Nicole, tu veux pas non plus que je te prenne sur la table. Bon, alors ça me fait drôle parce que je sens rien du tout de l'intérieur, hein. Je suis comme avant. Ouais, c'est bizarre, hein. Ton médecin s'est peut-être trompé.
Ça arrive, hein. Mais non, enfin, je crois pas. Mathilde, pourquoi tu veux que... Parce que normalement, on ne se sent pas la même. Mais qu'est-ce que t'en sais? T'as jamais été enceinte. À qui la faute? Non, mais tu sais, Nicole, moi non plus au début, je sentais rien. Et alors, par contre, à la fin du deuxième mois, alors là, j'ai commencé à morfler. Ah, c'est rien de le dire. L'enfer. Elle vomissait partout. David, c'est bon, là. Non, mais c'est pas honteux, rappelle-toi, dans la voiture. Non, c'est pas compliqué, hein, j'étais obligé de la revendre. Eh bien, moi, je suis très content pour toi. Tiens, je t'embrasse. Bravo. Allez, moi aussi. Bravo. Ah, ben, c'est trop, hein. Allô? Oui? Ah bon? Ah bah très bien! Mais terminé, on a commencé là. Pour le café, là? Non, ça sera pas trop tard, ça fera plaisir à tout le monde! Oui, on va faire du gâteau. Vous avez ça le gâteau? Ah, bon, bah elle a raccroché. Finalement, on va faire l'effort de passer. Ah! Ah quoi? Ah rien! Mais c'est une bêtise de la forcer à venir si elle ne se sent pas bien. Non, mais j'ai pas insisté, t'as entendu, c'est elle qui s'est ravisée toute seule. Hein, j'allais pas lui dire, ah ben non, finalement, on a réfléchi, on préfère rester entre nous. Hein. Non. Bon, ben, c'est très gentil de sa part, on est extrêmement honoré de sa présence, mais enfin, faudrait pas qu'elle tarde trop, hein, parce que je voudrais pas me coucher trop tard. Moi non plus, demain j'ai une conciliation à 8h30, j'ai pas l'intention de veiller. Hein. Mais on dirait que vous avez peur. Peur? Nous? Bon, enfin, c'est complètement absurde qu'on aurait peur, enfin, chérie. Mais je sais pas. On dirait que cette fille vous terrorise. Absolument pas, il se trouve que demain, on a tous des emplois du temps, voilà, c'est tout. On est des gens qui travaillent. Enfin, une soirée comme ça, on peut bien veiller un peu exceptionnellement, hein. Je voudrais pas tout ramener à moi, mais enfin, je crois quand même qu'on a une bonne raison d'être heureux ce soir. Là, je vous trouve pas très détendu. Hein. Qu'est-ce que tu fais avec ça, là? Mais c'est pour couper le canard! Ah, mais excuse-moi, t'as une drôle de façon d'obtenir ton couteau, là! Ouais, là, tu nous as fait peur, Christelle, hein. Tiens, donne-moi ça, tu vas tâcher ta belle robe, ça serait dommage. Voilà, allez! On va dire que le canard, c'est moi. A mis la puce à l'oreille. C'est qu'il s'ennuyait à l'école. Bon, enfin, comme la majorité des enfants, d'ailleurs, mais de la maternelle jusqu'à maintenant, une totale indifférence. Apathique. Oh, plus que ça, dépressif. Des fois, il se mettait au fond de la classe et il dormait. Posait sa tête sur son cartable, il piquait un petit roupillon. En plein cours, il n'était plus là. Et quand on lui demandait si ça lui plaisait d'apprendre, il répondait oui. Alors nous, on s'est dit, bon, il a un mauvais instituteur, ça ira mieux l'année d'après. Et l'année d'après, rebelote. Alors c'est vrai, on l'a un peu négligé, Christelle était débordée, moi je finissais tard. Et c'est seulement à cette rentrée qu'on a pris le problème à bras-le-corps. On a vu des spécialistes, et là, là le verdict est tombé. Sévère, hein. Ah, le choc a été, mais brutal. Ah non, on était sur le cul. Hein. Théo est un surdoué. Ah ben merde alors. Et c'est sans appel. Vous êtes certain du diagnostic? Aucun doute possible. Non, mais parce que parfois on s'alarme pour rien. Ah non, mais là on nous l'a confirmé, il a passé des tests et tout, c'est tout ce qu'il y a de sérieux. Il a un QI de 164. C'est beaucoup 164? 164 sur 200. Ah oui, c'est trop, hein. Ouais. À 10 ans, il apprend le russe et l'hébreu. Ah non, mais c'est presque inquiétant. En fait, il ne peut pas rester intellectuellement inactif. C'est une forme de...
de boulimie du savoir, comme ça. Non, mais le psy nous l'a très bien expliqué. Mais qu'est-ce que vous allez en faire? Allez, chérie. Bon, l'année prochaine, on le mettra dans une école spécialisée. Dans une école spécialisée? Oh là 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 là. Non, ça c'est plutôt bien, Nicole. Pourquoi tu fais oh là là? Oui, dans l'absolu, c'est bien, mais il n'est pas tout à fait comme les autres. Ah, tu as raison, Nicole. Notre fils n'est pas un enfant comme les autres. Oui, ben, j'espère que le nôtre, il n'aura pas un QI trop élevé. Hein. T'inquiète pas, il n'y a pas de raison. Mais elle dit ça parce qu'au-delà d'une certaine intelligence, il paraît qu'ils sont malheureux. Et vous n'auriez pas pu le voir à l'échographie? Je sais pas, moi, faire une amniosynthèse. Ça de pouvoir se lire aujourd'hui avec le progrès. Mathilde, ça va pas, non? Attends, Mathilde, rassure-moi, là. C'est de l'humour? Mais oui. Bon, allez, si on passait à la suite, nous. Nicole nous a préparé une super tarte aux pommes. Ah, une pomme banane. Oh. Oui, hein, vous allez m'en dire des nouvelles, hein. Voilà, Tania, pique pour le dessert. Tania, oh, c'est gentil d'avoir fait l'effort de passer. Entrez. Bonsoir. Je prends le sac. Mais avec le temps qu'il fait, là, vous n'avez pas peur d'attraper froid? Oui, parce que pour le chauffage, on tâtonne encore un peu. Hein. Bah, on verra bien. Pour l'instant, ça va. Il fait meilleur dedans que dehors. Vous connaissez tout le monde? Les hommes seulement. Les femmes, non. Aucune. À part vous, Nicole. Bonsoir, Yvan. Bonsoir, Talia. Mon épouse? Mais oui, bien sûr. Mathilde, c'est ça? C'est cela, oui. Bonsoir, Mathilde. Bonsoir. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Ah bon? En bien, j'espère. En très bien, Mathilde. J'espère que je ne vous décevrai pas. Bonsoir, David. Très élégant, habillé comme ça. Ah bon? J'ai pourtant pas l'impression d'avoir fait un effort particulier, mais... En tout cas, c'est gentil. Merci. Bonsoir. Ça veut dire quoi? Ça, on s'embrasse plus? C'est nouveau. Ah oui, on s'embrasse, c'est ça? D'accord, alors. Changement de parfum. Je sais pas, mais c'est possible. Christelle, ma femme. Je suppose que vous avez aussi entendu parler de moi. Non, vous beaucoup moins. Enfin, je savais que vous existiez. Bon, bien, alors, donc, sinon, en forme Bah oui, pourquoi, j'en ai pas l'air? Oh là là, si, non. Alors, tout à l'heure au téléphone avec Nicole, c'était... Ah non, mais ça c'était tout à l'heure, ça s'est arrangé. Quand j'ai su que vous étiez tous là, je me suis dit que je ne pouvais pas manquer ça. Et je réalise que c'est la première fois que je vous vois tous les trois ensemble. Et c'est aussi la première fois que je vous vois tous les trois en couple. Bon, asseyez-vous, Talia. Faites comme chez vous, mettez-vous à l'aise. Plus à l'aise que ça, c'est risqué. Faut d'abord que j'aille au... Oui, alors pour le pipi, les wawa, c'est trop mieux. Non, mais te dérange pas, Francky. Je suis sûre que je vais trouver toute seule. À toutes. À toutes. Arrête-moi si je me trompe, j'ai peut-être mal entendu. Elle te tutoie? Oui, elle me tutoie, oui, pourquoi? Pour rien, c'est bizarre. Bah non, tu sais, chez moi, enfin dans mes bureaux, il y a effectivement un patron, des employés, mais la hiérarchie, ça passe pas forcément par le vouvoiement. Enfin tout de même, une secrétaire qui tutoie son patron,
Moi, je peux vous dire qu'à l'agence, personne n'oserait s'aventurer avec moi sur ce terrain. Ah ouais, mais là, Talia, elle est nature. Hein. Elle tutoie tout le monde. Yvan le tutoie. Ah oui, toi aussi. Ben oui. Qu'est-ce que ça a de... J'ai eu comme cliente, on a gagné, donc... Donc elle te tutoie. Comme elle tutoie David. En première nouvelle, tu dis tu as tes patients. Certains oui, parfois c'est plus pratique. C'est plus pratique. Oui, il y a des tutoiements spontanés qui s'imposent comme ça, sans que ce soit forcément... Tiens, regarde les Anglais, ils disent « you » à tout bout de champ. You're my friend, you want some bread. You, quelle que soit la personne à qui il s'adresse, et pourtant c'est bien les gens polis, ce sont les Anglais. Elle est anglaise ? Pas du tout. Étrange comme fille, hein ? Ouais. Et puis alors, au niveau vestimentaire, elle a pas peur, hein ? Oui, le soir, elle se lâche, mais je te rassure, hein, dans la journée, elle s'habille pas du tout comme ça. Non, je peux même te dire qu'au bureau, elle passe totalement inaperçue. En fait, c'est un jeu pour elle, c'est du second degré, c'est une façon de dire « je joue à la femme fatale, alors je sais très bien que j'en suis pas une. » De femme fatale. Vous saisissez un petit peu mon raisonnement ? Oui, bien. Hein ? Bien. La nuance est subtile, hein ? Il y a beaucoup d'humour derrière tout ça. Mais je ris ! Je ris beaucoup, Yvan. Bon, ben, moi, en attendant, je vais chercher la tarte. Oui, on la mange en vitesse, parce que mine de rien, là... Oui, nous aussi, moi, je suis cassé, là. Eh bien, moi, je suis désolée, mais je suis en pleine forme. Dis donc, c'est pas donné, ça, hein? Ça paye bien, secrétaire, chez toi? Non, pas particulièrement, non, elle ne roule pas sur l'or. À la tête des prix, Ou des clients très généreux. Et voilà la merveille! Ah! Voilà, elle est magnifique! Mais non. Bon, on est combien en fait? Non, Nicole, t'oblige pas à couper en part égale. Moi, je goûte seulement, je fais juste l'heure. Hein. J'ai plus faim. Elle est vachement belle, votre nouvelle maison. Oui, hein, c'est grâce à Christelle, c'est par son agence immobilière. Christelle a une agence haut de gamme. Je sais. Bravo, Christelle. Ça vous change de l'appartement du boulevard de Grenelle? C'est carrément le jour et la nuit? Comment? Je dis que c'est le jour et la nuit. Par rapport au boulevard de Grenelle. Par rapport au boulevard de Grenelle? Mais vous habitiez là-bas? Vous êtes déjà venu, boulevard de Grenelle? Bah évidemment que je suis venue. Enfin, oui, il me semble. Non. Vous avez bien raison, Talia, parce que je me souviens pas du tout qu'on vous ait reçu boulevard de Grenelle. Bah attendez, le boulevard de Grenelle, c'est bien l'appartement du dernier étage. Avec le balcon tout autour et les pots de fleurs carrés. Oui, c'est ça. Les pots de fleurs carrés. J'ai pas pu l'inventer. Si elle le dit, pourquoi elle l'inventerait? Ben oui, mais enfin, excusez-moi, Talia, mais alors je me souviens pas du tout, hein. Non, qu'on vous a invité, et puis d'abord, c'était quand? Non, alors là, moi, les dates. Non, honnêtement, aucune idée. Francky? Oui. Bonne question, malheureusement, non. Ah, on dirait que Francky aussi a un problème avec les dates. Oui, mais ça va lui revenir. Là, le temps de retrouver mes esprits, là. Parce que là, quand même, tout le monde parle en même temps. En fait, non, Talia n'a jamais été invitée, non. Eh ben voilà, elle n'a jamais été invitée. Elle est passée par la fenêtre. Ça y est, je me souviens, en fait, c'est quand Nicole était partie voir sa mère à Ponto Combo. Moi, j'étais resté au bureau et je devais attraper un avion dans l'après-midi pour un déplacement professionnel à Berlin. Et à 2 heures du départ, je me suis aperçu que je n'avais pas pris mon passeport, donc j'ai demandé à Talia d'aller le chercher boulevard de Grenelle. Je lui ai confié les clés et c'est comme ça qu'elle a vu l'appartement. Oui, c'est exactement ça. J'y suis allé, mais il n'y avait personne. Mais c'était quand? Alors là, c'était quand je sais plus tout ça. Bon, quand est-ce que ta mère a eu sa maladie de cœur qui a nécessité je sais pas combien d'opérations? Il y a tous les pontes de la cardiologie qui ont défilé, c'était quand? C'était il y a 2 ans. Eh ben voilà, c'était il y a 2 ans. Tu faisais la navette entre Paris et l'hôpital de Ponto Combo, tu ne vivais pas bien vu que les toubibs ne lui donnaient plus de grandes chances, et moi ça tombait très mal, parce que j'avais toute une série de contrats avec les Allemands qui m'obligeaient à me déplacer souvent à Berlin.
Eh ben voilà, le mystère est résolu. Bon, Nicole, tu nous sers ton gâteau, une petite part, merci. Le jardin aussi est très beau. Enfin, j'ai pas bien vu, mais il a l'air grand. Oh là là, il est immense. Une petite Amazonie. Excusez-moi de revenir là-dessus, hein, mais pourquoi prendre un passeport pour aller à Berlin? Il y a 2 ans, c'était déjà l'Europe, hein. Berlin. Ben oui, Christelle a raison, la carte d'identité suffisait. Écoutez, j'ai pas une mémoire d'éléphant, mais si j'ai demandé à Talia d'aller chercher mon passeport, c'est que je ne devais pas non plus avoir de carte d'identité sur moi. Et puis l'Europe, ça veut pas dire qu'on a plus besoin de papier du tout. Oui. Bien. Et puis c'est pas nouveau, je perds tout, j'oublie tout, j'ai toujours été comme ça, Nicole, je suis complètement bordélique. Non, oui et non, ça dépend des fois. Bon, et ben là, je devais l'être, j'avais une bonne raison, ta mère était à l'agonie. Pardon d'intervenir, mais est-ce que tout ça a vraiment beaucoup d'importance? Talia fait une remarque sur la maison, et là on est parti sur un flashback de 2 ans. Alors forcément, tous les détails qui nous reviennent sont un peu confus, parce que ça date pas d'hier. En plus, c'est un passé qui remue de tristes souvenirs, parce qu'il est quand même question de la maman de Nicole, qui est morte depuis. Qui est morte? Bah ouais. Non, pas du tout. Non, maman n'est pas morte. Mais t'es sûre? Je suis sûre. Bon, elle s'est fait opérer du cœur plusieurs fois, mais elle s'en est parfaitement remise. Hein. Ouais, elle a téléphoné tout à l'heure. Non, c'est pas. T'as encore perdu une occasion de te taire. Hein. Mais autant pour moi. Hein. Bon, Nicole, excuse-moi, j'ai gaffé, excuse-moi. Mais comme il y a 2 ans, c'était déjà une très vieille dame. Et puis qu'il y avait une grave maladie. Alors comme on n'en parlait presque plus, moi forcément, j'ai cru que... Bah, je l'ai cru morte. Bah oui, bah je suis désolée, bah oui. Non, elle va encore très très bien. Elle va, elle vient, elle mange. Oh, tant mieux, Nicole, je suis ravie de l'apprendre. C'est même la meilleure nouvelle de la soirée, dis donc. Le soleil qui tape, qui tape, qui tape. Bon, David, c'est bon, t'en rajoutes pas une couche. Nicole, ma chérie, tu veux bien continuer de servir, s'il te plaît? Bon, ben nous, on va pas tarder à y aller, hein, parce qu'on mange, on parle, et pendant ce temps, on a bien 3 quarts d'heure de route. Là. Non, à cette heure-ci, beaucoup moins. Pourquoi? On n'est pas bien, là? Si, mais tu sais bien, j'aime pas conduire la nuit, moi. T'as changé de voiture? Moi? Non. Ah, le 4x4 monstrueux que j'ai vu quand je suis arrivée, je me suis dit ça à tous les coups, ça ne peut être qu'à Yvan. Ah oui? Non, c'est une bagnole qui a déjà 1 an et demi. Bah, c'est bien ce que je te dis, tu l'as remplacée. Avant, t'avais la vieille anglaise avec l'intérieur en cuir rouge. Ah! Vous avez connu la Jaguar. Ah, je suis même montée dedans. Elle avait plein de boutons partout. On aurait dit le cockpit d'un Airbus. Il en était super fier. Oh, pas spécialement, non. C'était une occasion que j'avais obtenue par un copain magistrat à Lille. Une voiture saisie. Je l'ai eu pour une bouchée de pain. Yvan, le roi de la combine. Mais non, c'était pas une combine, c'était parfaitement légal. Je sais, je te taquine. Un avocat, c'est quelqu'un qui s'est flirté avec les limites de la loi sans tout à fait la violer. Oh, bien vu. Non, Francky, je suis pas d'accord. Un avocat, c'est quelqu'un qui défend les hommes avec la loi. Mais arrête avec tes phrases filandreuses. Excusez-moi. Et comment avez-vous rencontré Yvan? C'est marrant, ça, il vous l'a pas dit? Brièvement. Mais alors très brièvement. Il m'a défendu dans une affaire. Oui. Très bien, d'ailleurs. Très bien défendu. Ça, je n'en doute pas. Mais vous, comment avez-vous eu l'idée de vous adresser à lui? On s'est connus grâce à sa voiture. Oui. Je suis tombée en panne sur une route complètement déserte. Bon, moi, c'était pas une Jaguar que j'avais à l'époque, mais une vieille poubelle qui me lâchait pour un oui ou pour un non. Comme j'étais nulle en mécanique, j'ai même pas ouvert le capot. Je me suis dit, je vais faire du stop. À peine j'ai levé le pouce, la première voiture qui passait s'est arrêtée. Tu m'étonnes.
Et c'était qui? C'était... Yvan! Eh oui, c'était moi. Je roulais tranquillement. Il allait plaider à Orléans. Il m'a dit venez voir, c'est une audience publique. Moi, oui, pourquoi pas. J'y suis allée. Et là, je dois dire que j'ai pas été déçue. Ouais. Il a écrasé, humilié son adversaire. Les gens dans la salle étaient morts de rire. Et pourtant, le type qui défendait était une belle crapule. Mais non, c'était pas une crapule du tout. Oh, tu vois, c'était un escroc, plus ou moins banquier, qui roulait le pauvre petit épargnant un peu crétin. Non, gagner en défendant un type honnête, c'est bien. Mais faire relaxer une ordure, là, ça devient brillant. Wouhou ! Grand avocat. Moi, je t'ai vu plaider. Tu es redoutable. Ah, c'est pas mon frère pour rien. On sait qu'il est doué. Et ensuite, il nous a laissé sa carte. Oui. Enfin non, mieux que ça. Il m'a carrément invité à dîner pour fêter sa victoire. À dîner? Oui, le soir même. Le soir même. Le plus grand restaurant gastronomique d'Orléans. Oh, t'exagères, le plus grand, sûrement pas. Non, c'était un endroit cossu extérieurement, mais pas non plus. Bah, pour moi qui suis pas habituée. Et alors? Alors? Alors, tout. Tout quoi? Tout? Le vin à 150 euros la bouteille, homard, caviar, mais en tout bien tout honneur. Ah bon? Ben oui, Mathilde, c'était une sorte de repas d'affaires. Ah non, non, mais vous inquiétez pas, vous avez un mari qui est complètement clean. En tout cas, grâce à vous ce soir, je le redécouvre. Et c'est très intéressant. Et c'est à ce fameux dîner que je lui ai raconté toute mon histoire avec Tonio. Tonio? Ben, Tonio, je t'ai raconté. Tonio, c'était mon ancien fiancé. Celui qui me harcelait. Ah. Il voulait me défigurer avec de l'acide. Alors, lui, il cumulait. Alcoolique, violent, obsédé, mythomane. Tout pour plaire. Mais, enfin, si je peux me permettre, pourquoi était-il votre fiancé s'il était si épouvantable que ça? Ben... Au début, tout nouveau, tout beau. Bon, faut dire que la première fois que je l'ai rencontré, j'étais encore plus ivre que lui. On parlait sans prononcer les consonnes. Non, en principe, si vous faites ça, personne ne vous comprend. Hein. Sauf si vous êtes bourré vous-même. Vous avez jamais essayé? Pas récemment, non. On communiquait comme ça. Oh, vous, 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 vous. Ah, vous, 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 vous. Bon, moi, j'ai fini par dessouler, mais lui, jamais complètement. Mais il avait quelque chose qui le rendait unique et moi qui me... Oui. Non, non, là ça m'embarrasse un peu de répondre. On est entre nous. Écoute, ça l'embarrasse. Bah oui, c'est pour une histoire gay, hein. On va pas s'attarder sur ce type. Je trouve déjà la conversation très concentrée sur le sujet, c'est limite gênant. Mais moi, je suis sûre que Talia a très envie de nous le dire. Vous voyez pas? Moi, j'ai bien une petite idée. C'est quoi ta petite idée? Je la garde pour moi. Bon, pour parler clairement et tant pis pour les oreilles chastes, Tonio baisait comme un dieu. À jeun ou complètement bourré, il avait le don de m'exploser. D'accord. J'avais tapé juste. On sent trop rentrer dans les détails, je suis quelqu'un d'assez physique. Si je fais pas certaines choses régulièrement, je déprime, je dépéris, je m'étiole. Bon, il y a des femmes seules, et qui s'en passent très bien. Même des femmes mariées, d'ailleurs, que leur mari ne touche plus. Moi, je peux pas. Je sais pas faire sans. Il me faut ma dose. Très bon ton gâteau, Nicole. Là, en général, celui-là, je le rate jamais. Hein. Le petit truc en plus qui parfume, c'est quoi exactement? La cannelle. Ah, la cannelle. Ça change tout, la cannelle. Non, Mathilde?
Ah, ouais. Eh oui. Nicole, son truc à elle, c'est la pâtisserie. Et maintenant? Maintenant quoi? Eh bien, je veux dire, depuis ce fameux Tonio qui était surdoué... Vous avez un nouveau fiancé qui vous explore. Bon, Mathilde, c'est quoi cet interrogatoire? Ça commence à devenir pénible, là. On parle? Là, oui, en ce moment, j'ai un fiancé. D'ailleurs, ça ne me dérange pas du tout de vous répondre, puisque personne ici ne le connaît. Ça y est, t'es rassurée? Il s'appelle... Steven. Steven... Il est américain? Libanais. Ah. C'est libanais, ça, Steven? Ouais. Oui, bah, Steven Spielberg. Le problème, c'est qu'il jongle entre Paris et Beyrouth. En quoi est-ce que c'est un problème? Bah, il est marié. Il a 5 enfants. Ah, ben voilà, voilà, voilà. Voilà, c'était ça ce que vous disiez au téléphone, hein, une relation amoureuse très libre avec un homme qui l'est moins. Voilà, c'était Steven. Mais si sa femme habite Beyrouth, vous devez être tranquille. Plus maintenant. Elle s'est installée à Paris avec ses enfants et elle est très méfiante. Mais elle a des raisons de l'être, apparemment. Ça, la pauvre. Il la trompe. Oh, avec tout ce qui bouge. Même moi, il me trompe. Enfin, il est très chaud comme type. Ah, ouais, ouais, ouais. Oui, sauf que moi, je m'en fous, je suis pas amoureuse. Il est assez doué pour ce que vous savez, ce qui me suffit amplement. Et en plus, il est producteur de musique. Quel rapport? Ah bah, c'est intéressant, un producteur de musique. C'est intéressant. C'est surtout intéressé. Oui, bon, bah, puisqu'on en est aux révélations. Oh, je sais pas si on peut dire révélations. Je chante. Ah bon? Ah, vous êtes chanteuse maintenant? Non, non, pas chanteuse. Chantonne. Je suis pas la calasse. Bon, Steven a fait composer une petite chanson. Ça casse pas 3 pattes à un canard, mais on va essayer de la sortir. Steven dit que pour chanter aujourd'hui, il vaut mieux avoir un physique qu'une voix. Ben oui, hein, ça c'est la télévision. Hein. En tout cas, pour le physique, je confirme. Vous l'avez. Enfin, donc, si j'ai bien compris, tu vas peut-être me quitter. Pardon? Oui, comment ça te quitter? De quoi tu parles? Non, enfin, je veux dire me donner sa démission. Oh, mais c'est pas encore fait. On travaille sur la maquette. Ça devrait sortir l'an prochain. En tout cas, tu cachais bien ton jeu. Ben, je trouve pas. Il y a plein de gens autour de moi qui savent que je chante. Non, 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 pas moi. Ben, David le savait? David? C'est sûr que c'est à moi que t'en as parlé. Non seulement je t'en ai parlé, mais je t'ai même chanté un petit couplet dans ton cabinet. Prends ce gal. Dans ton cabinet. Ben, c'est possible, hein. Mais alors, il y a longtemps. Quelle chanson? Je sais plus. La déclaration. Quelle déclaration? Ben, la déclaration. C'est le titre de France Gall. T'avais adoré. Ben non, là, c'est très très vague, hein. Mais si, c'était un jour où tu me parlais de ton fils. T'étais inquiet parce qu'il était dépressif. Il se renfermait, il parlait plus. Alors moi, pour te remonter le moral, je t'ai chanté. Quand je suis seule et que je peux rêver, je rêve que je suis dans tes bras. Je rêve que je te fais tout bas. Une déclaration. Ma déclaration. Non, mais parce que je suis sûre que ça va lui revenir à David, hein. Oui, mais enfin, juste comme ça, à cappella. Oui. Non, 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 j'ose pas, je me sens ridicule. Vous savez, en dépit des apparences, je suis quelqu'un de pudique. Ah! Là, j'ai pas encore assez bu pour me lancer. Et vous
n'avez pas peur que votre producteur de musique ne vous fasse un peu marcher, là, avec cette histoire de disque? C'est quand même un milieu assez pourri, le monde du showbiz. Ah, bah oui, complètement d'accord. C'est pour ça que j'ai préféré signer un contrat avec lui. Vous vous y connaissez? Ah, non, moi, non, je suis nulle, mais je l'ai fait lire à Yvan avant de le signer. Non. Moi, je connais un grand avocat, je peux me priver. Oui, enfin, je l'ai survolé. C'est un contrat standard. Oh, pas si standard que ça. T'as fait modifier un tas de trucs avant de me laisser signer, et t'as eu raison. Tu as rencontré ce producteur? Mais j'ai rencontré personne, je le connais pas, moi, ce type. Non, 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 mais Yvan a préféré rester dans l'ombre. On a passé une soirée entière, tous les deux, en tête à tête, à tout éplucher. Il me disait ce qui n'allait pas, moi, je prenais des notes. Un peu comme une étudiante béate d'admiration devant son prof. J'ai renvoyé le contrat avec les modifs à Steven et on a signé. Il fait plus chaud, non? Ouais, tu veux que je baisse Non, pour moi, ça va. Bon, qui veut de la tarte? Merci, non. David? Non, merci. Non. Okay. Non, merci, chérie. Mathilde? Bon. Merci. Oh, j'ai complètement oublié. J'ai acheté une boîte de chocolat, j'ai laissé dans la voiture. Non, mais fallait pas. Bah, si, c'est le minimum. Non, non, c'était une soirée toute simple. Hein. D'ailleurs, personne n'a rien amené. Bon, bah, moi, c'est moi, les autres, ils font ce qu'ils veulent. Yvan, sois gentil, s'il te plaît. Je me suis garée juste derrière toi, à la Clio blanche. S'il te plaît. Enfin, Yvan, vas-y! Puisqu'on te le demande poliment! Bon, il ressemble à quoi, ce chocolat? Bah, à quoi tu veux qu'il ressemble? À une poêle à frire? Au fait, Talia, je vous ai pas annoncé la grande nouvelle, je suis enceinte! Non. Mais c'est génial! De qui? Je plaisante! Je suis très contente, Nicole. Oui. Merci. Tu vois que tu arrives? Tu vois que tu arrives? Non, mais c'est parce que on en parlait un jour au bureau. Tout le monde lui demandait ce qu'il attendait pour faire un enfant et... Et il pensait que le problème venait de lui. Ah bon? Ah bon, 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 bon. Tu pensais vraiment? Ouais. Ah. Ouais, puis j'ai dit ça comme ça, une occasion. Ah, moi je m'en souviens très bien. À ce moment-là, moi aussi je venais de tomber enceinte. Ah bon, vous avez un bébé? Non, je l'ai pas gardé. J'ai pas pu. Il se présentait mal. Ah, on peut dire ça comme ça, oui. C'était pas un enfant souhaité. Enfin, un accident, si vous préférez. Le père... Enfin, ça n'a jamais été le père, parce qu'il n'y a pas eu naissance. Le monsieur qui avait mis la petite graine dans mon ventre ne pouvait assumer un enfant hors mariage. Ah bon? Et pourquoi il ne pouvait pas? Parce qu'il était déjà marié. Ben forcément! C'était votre producteur libanais? Non, non, c'était bien avant Steven. Ah, alors c'était Tonio? Oui, celui qui voulait la défigurer. Non, c'était après Tonio. Entre Tonio et Steven. Moi, j'étais prête à le garder, cet enfant. Même si son père ne le reconnaissait pas. C'est triste. Mais il aurait trop mal vécu et... Je voulais pas voir cet homme malheureux parce que lui... Contrairement à Tonio ou à Steven... Ou à tous les autres, j'en étais vraiment amoureuse. Follement. Il m'aimait pas assez pour me faire un enfant. Y'a que mon cul qui l'intéressait. Ben oui, mais ça, les hommes... En même temps... La nature m'a offert un corps harmonieux. Je vais pas me plaindre. Excusez-moi, j'aurais pas dû vous raconter ça. Je les ai pas trouvés, ces chocolats. Je les ai cherchés partout, sur le tableau de bord, dans la boîte à gants, sur la banquette arrière, même sur les tapis de sol, il n'y avait pas de chocolat. Je les ai peut-être laissés chez moi. Peut-être, mais t'aurais pu t'en souvenir avant de m'envoyer le chercher, on se déjeune dehors. Tiens. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé, Yvan? Je vais bien vous le dire, j'ai pas trouvé de chocolat. C'était elle? Hein? Qui? Elle. Mais quoi, elle... Je vais y aller, je me sens pas bien. Non, 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 c'est trop facile. Maintenant, on se dit les choses, on se parle clairement. Les allusions sur les jeux de piste, ça va. Vous avez eu une histoire avec Yvan? Oui ou merde?
Avec David? Non, pas avec Frankie quand même. Oui, oui, qui? C'était lequel, bordel? Mais personne, aucun des trois. Tu vois pas qu'elle joue avec deux depuis qu'elle est arrivée? Mais où elle nous balade? Ça l'amuse. Elle se fait inviter, puis elle se décommande, puis elle vient quand même. Après, elle commence à nous raconter sa vie en répandant des indices par-ci, par-là. Résultat, tout le monde panique. Alors que personne n'a rien à se reprocher. Fouteuse de merde, oui. Et pourquoi elle ferait ça? Bah pour se venger. Se venger de qui? De quoi? Si elle a besoin de se venger, c'est que quelqu'un lui a fait du mal. Et il est forcément ici. Alors... Personne ne se dénonce? Eh bien non. Apparemment, il n'y en a pas un seul qui a des couilles. C'est moi. Francky. Ouais. C'est pas possible. Attends, toi et Talia? Oui. Mais non. Si. Mon point. Enfin, Yvan, je te dis oui, c'est bon. Ça va, je peux vous faire un dessin, c'est moi. Voilà, vous voulez un coupable, vous l'avez. C'est fait, c'est fait. C'est vrai? C'est vrai. Enfin, presque. Comment ça, presque? C'est oui ou c'est non, mais c'est pas presque. Enfin, comment ça s'est passé? Raconte. Nicole se dit que c'est moi, à quoi ça sert? Mais ça sert. C'est quand t'étais partie voir ta mère à Ponto Combo. T'es seule à la maison et j'ai demandé à Talia de m'apporter un papier important à 8h du soir. Elle est venue sans se méfier parce qu'elle croyait que tu étais là. Voilà, je vais vous faire un café. Je lui ai dit que t'étais au chevet de ta mère, qu'elle allait mourir, que j'avais pas le moral. Je sais pas ce que je vais raconter, mais... j'ai caressé les seins. Oui, et après les seins? Mme Nicole! J'ai essayé de repousser sa main gentiment en essayant de pas le froisser. Là, il a essayé de m'embrasser, je l'ai giflé, je me suis sauvée. Le lendemain, il m'a convoqué dans son bureau. J'ai cru que c'était pour me renvoyer, puis non. Il était tout penaud, tout mignon, il s'est excusé. Il m'a dit qu'il regrettait, il était sincère. Je me suis excusée à mon tour pour la gifle, il m'a répondu qu'il l'avait mérité. Là, je lui ai promis que tout ça resterait entre nous, qu'on n'en parlerait plus jamais et on n'en a plus jamais reparlé. Jusqu'à ce soir. Je suis vraiment désolée, Nicole. Ça me fait beaucoup de peine ce qui s'est passé. Et en plus, pendant que maman se faisait opérer à cœur ouvert... Non, mais tu respectes rien, hein. T'étais un monstre. C'est peut-être un monstre, mais ça nous avance pas beaucoup, hein. Ça nous avance pas? Ce n'est pas en lui tripotant les seins qu'il lui a fait un enfant. Oui, bah ça va, hein. Je sais comment on tombe enceinte, hein. Mais bon, il voulait, voilà, hein. Ça aurait pu être lui. Je te demande pardon. Allez, pardon, bah non, hein. C'est facile de dire pardon, c'est pas un mot magique. Est-ce que je peux dire d'autre? Aïe. Bah oui, mais il fallait que ça sorte, hein. Ça aurait pu sortir un peu moins fort. Pardon. Je t'aime, Nicole. Vous partez? Oui. Bonne nuit, Nicole. Bonne nuit. Non, vous en avez bonne, vous, hein? Vous avez vu le chantier? Non. Vous ne bougerez pas d'ici avant qu'on sache la vérité. Vous n'allez quand même pas me taper dessus? Mathilde. Laisse-la partir. Allez, ça suffit maintenant. David? Ben oui, c'est moi. Elle peut rentrer chez elle maintenant. Thank you.
gentil, t'es cocu, hein. Bon, le ciel t'est tombé sur la tête, d'accord, mais le tableau n'est pas si noir que ça. Hein, dans un sens, si tu regardes bien, bah, il a limité sa faute. Ça veut dire quoi, limiter sa faute? Bah, il aurait pu accepter l'enfant, hein, ou même complètement s'en foutre. Tu sais, des hommes qui font des bâtards à n'importe qui, c'est plus courant qu'on ne le croit. Hein. Des salons, il y en a plein les rues. En plus, elle lui demandait même pas de le reconnaître. Elle voulait juste garder un petit bout de lui, comme ça, en souvenir. Bon, hein. Bon, ça peut se comprendre, hein. Et ben même ça, il a refusé. Ça prouve qu'il a encore des principes et des sentiments pour toi. Hein. Et puis c'est elle-même qui l'a dit, c'était juste une histoire de fesses. C'est quoi une histoire de fesses? C'est rien. Bon, Nicole, t'es gentille de me remonter le moral, mais alors, vraiment, tu t'y prends très mal. Alors, s'il te plaît, tais-toi, tu peux pas comprendre. Bah, comment ça, je peux pas comprendre? Bah, et moi, avec Francky, m'est arrivé pareil, je te signale. Ah, pas exactement, non? Oui, oui, bon, d'accord, il a pas réussi son coup parce qu'il a un physique moins facile que ton mari. Bon, ben, quelque part, tant mieux pour moi, hein. Mais bon, il voulait lui faire la même chose, Atalia. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai pardonné, parce que le pardon, c'est ce qui différencie l'homme de l'animal. Bon, et surtout, surtout, on va pas se séparer maintenant, alors que j'attends un petit bébé, hein, et qu'on vient de se mettre pour 15 ans de crédit sur le dos. Eh bien, parfait, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je t'envie de pouvoir être au-dessus de tout ça, moi, j'y arrive pas. Mais il est tout ratatiné, là, ton David. Hein? Il erre dans le jardin comme une âme en peine. Avec ce froid, il va attraper la crève. Tant mieux. Bah, non, non, Christelle, tu peux pas dire une chose pareille. Oh là 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 là. Bah, d'abord, tout ça, c'est de ma faute. Hein. C'est vrai, si j'avais pas invité Talia. Hein. Oh, la boulette. Oh là, mais qu'est-ce que je m'en veux? Non, mais je suis la reine des fois, hein. Où sont les hommes? On les entend plus. Francky fait la vaisselle. Yvan les suit. Et David est dans le jardin. Il fume. C'est drôle. Hein? Il y a une demi-heure, tout le monde était pressé de rentrer. Et puis là... Ça va? Et toi? Mais c'est pour toi que la question se pose. Merci. La soirée a pris une tournure inattendue. Assez, oui. Non, on peut même dire que ça a complètement merdé. Hein. Je le sentais pas ce soir. C'est Yvan qui a insisté. Moi, je voulais pas venir ici. Pourquoi tu voulais pas venir ici, Mathilde? Pourquoi? Parce que ça m'emmerde. Une heure de route, ça m'emmerde. Faire semblant de m'extasier devant un jardin ou une cheminée, ça m'emmerde. Manger de la nourriture trop grasse, ça m'emmerde. De A jusqu'à Z, ce genre de soirée m'emmerde. Ça s'appelle une corvée. Venir chez moi, c'est une corvée? Mais non, mais pas chez toi particulièrement, Nicole. Chez des gens dont on n'a rien à foutre. Chez qui on va faire obligation, parce qu'il y a juste une raison familiale, par exemple. Mais je comprends que des frères aient besoin de se voir. Mais nous, les belles-sœurs, je ne vois pas pourquoi on nous prendrait en otage. Permets-moi de te dire que je suis pas d'accord. Moi, je me sens pas prise en otage avec vous. Soyons sincères, une minute, Nicole. Juste une petite minute de sincérité, là. Au milieu de cet océan de conventions. Mais on n'est pas vraiment amis, toutes les trois. On n'a pas d'affinité. Ah bon? Fais pas semblant de t'en apercevoir. On s'intéresse pas aux mêmes choses. Moi, j'aime lire, apprendre. J'aime enseigner. Bah, Christelle, elle préfère s'habiller, sortir... Rencontrer des gens de son milieu. Et puis toi, Nicole. Mais au fait, toi, c'est quoi déjà? Bah, moi. Quoi? La bouffe. Oui, 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 la cuisine. Oui, 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 oui. J'assume, hein. Pourquoi pas? Oui, puis plein d'autres choses aussi, hein. Bah oui, c'est pas parce que je ne travaille pas que je suis une femme au foyer que j'ai pas une vie intéressante. Non, j'aime recevoir, voilà. Là, c'était pleinement réussi. Bah, je me faisais une fête, moi, de vous montrer la maison, de vous avoir à dîner. Bon, il se trouve que ça s'est pas passé comme prévu. C'est rien de le dire, hein. Tu as essayé? Tous les efforts que j'ai faits. Mais oui, mais ce qui compte, c'est pas les efforts qu'on fait, c'est le résultat. Et toi, tu te donnes du mal. Mais à chaque fois, tu tombes à côté.
Non, mais vous inquiétez pas. Oui, oui, j'ai compris. Hein, moi, je suis la belle-sœur un peu tarte. Vous, vous avez tout vu, hein, tout lu. Moi, je suis la truffe de service. Je m'enthousiasme pour des choses simples. Hein, je dis que des bêtises. Vous devez être habitué à des dîners plus chics avec des gens plus intéressants qui peuvent citer Baudelaire, Marcel Proust. Moi, j'ai pas de conversation. Hein, et quand je vous dis des choses importantes, eh ben, ça ne vous intéresse pas. Oui, oui, je l'ai bien senti là tout à l'heure quand je vous ai annoncé que j'étais enceinte. Vous m'avez trouvé ridicule. Oui, oui, oui. Toi, Mathilde, je t'ai vu lever les yeux au ciel. Hein, puis alors toi, Christelle, t'es complètement blasée, hein, vu que t'as fait un enfant avec un QI de 64. 164, hein. Oui, mais oui. Même 300 si tu veux, hein. Je m'en fous, de toute façon, j'y connais rien. Non, non, n'ayez pas peur, quand il sera là, mon bébé, vous n'aurez pas la corvée de faire une heure de route pour venir le voir, parce que personne ne le verra, personne, hein, puisque tout le monde s'en fout. Elle est pas mal, sa robe, pour une fois. Ouais. C'est Nicole qui vient de crier, là. Non, elle ne crie pas, elle pleure. Pourquoi? C'est compliqué, c'est un ensemble. Je me suis permis de lui dire certaines choses. Tu étais obligée? Bah, obligée, non. Mais ça m'a fait du bien. Je trouve pas que le dîner était déjà assez chargé en émotion. T'as de plus regarder pour la prochaine fois. Quelle prochaine fois? Bon, tu veux pas aller t'excuser? De quoi? Bon, j'y vais. Pas qu'il avait peur de t'ennuyer. Enfin, une soirée où il se passe quelque chose. Pleine de bruit de fureur. Je n'en demandais pas tant. Oh, je sais, ben. C'est toi à moi, Yvan. Avec cette Thalia. T'as bien dû essayer, non? Juste un peu. Par politesse. Hein? Non. C'était toi le plus nerveux des trois quand tu as su qu'elle était invitée. Oui, c'était moi. Et tu veux savoir pourquoi? Elle est névrosée, cette fille. Gravement, elle se complaît dans la douleur sans arrêt qu'on la plaigne. Je m'en suis très vite aperçu dès son procès. Bon, je ne dis pas que le fameux Tonio était dans son droit. Non, c'était un malade dangereux. Mais en écoutant se défendre, j'ai compris comment elle avait pu pousser à bout. Elle est malsaine, cette fille. C'est une perverse masochiste, sadique et déséquilibrée. C'est pour ça que tu l'as refilé à ton frère. C'est qui? Christelle. Oui? Oui, Théo. Je te la passe. Ton fils. Bon, Nicole s'est enfermée dans la salle de bain. Elle refuse d'ouvrir. Elle pleure encore? Mais je sais pas. Je l'ai entendu se brosser les dents. Et... Oui, Théo. Non, mais qu'est-ce que tu fais? T'es pas encore couché? Mais non, t'inquiète pas, tout va très bien. Oui, on passe une très bonne soirée, oui. Bientôt. Non, mais quand tu nous attends pas, tu dors. Oui. Bisous, mon chéri. À qui tu téléphonais? C'est Théo qui vient d'appeler, il s'inquiète. Il a raison, hein. Moi aussi, à sa place, je m'inquiéterais. Bon, on y va, là? Oui, deux secondes, j'appelle ma mère. Attends, pourquoi t'appelles ta mère à cette heure-ci? Pour la prévenir. Tu seras gentil de me déposer chez elle en passant. Pourquoi tu veux dormir là-bas? Où veux-tu que je dorme? Avec toi, dans le même lit? Tu trouves vraiment indispensable de mettre ta mère au courant de nos petites affaires? Mais ce ne sont pas des petites affaires, David. C'est une colossale saloperie que tu viens de m'infliger. Et publiquement, en plus! Bon, très bien. Ben, je croyais que t'avais eu le temps de relativiser. Tu amplifies, d'accord. Mais alors, qu'est-ce que je raconte à Théo en rentrant, moi? Qu'est-ce que tu lui racontes? Oui. Mais tu lui racontes que tu t'es envoyé en l'air avec une pétasse complètement nymphomane, que tu l'as mise enceinte, mais qu'il n'aura pas de demi-frère ou de demi-sœur parce qu'elle a avorté! Et tu penses que Théo peut entendre ça? C'est un enfant surdoué! Faut bien que ça serve à quelque chose! Pétage de plomb total, hein. Oui, allô, maman, c'est Christelle. Oui, excuse-moi, je te réveille. Non, c'est pour te prévenir que je vais dormir chez toi cette nuit. Seul, oui, sans David. Non, je t'expliquerai quand je serai là. Assez, oui. Mais non, maman, personne n'est mort, personne n'est blessé. C'est beaucoup plus grave que ça. Eh bien, ben, tu vas encore donner à ta mère une bonne occasion de me détester, hein? Oui, alors là, sois honnête au moins sur ce point, tu te fiches royalement de ce qu'elle pense de toi. C'est vrai. Qu'elle apprenne que tu t'es tapé une petite pute.
Ça ne l'étonnera pas plus que ça. Oh ben, je pense même que ça pourrait lui faire plaisir. C'est pas impossible. On peut y aller si tu veux. Bon, Franklin, on va y aller là. Ah bon, où est Nicole? Elle s'est enfermée dans la salle de bain. Je sais pas si elle pleure ou si elle se lave les dents. Enfin, en tout cas, tu la remercies pour nous. Le canard et la tarte étaient délicieux et tu la re-félicites pour le bébé parce qu'on est passé beaucoup trop vite là-dessus. En tout cas, on a passé une excellente soirée. Tu te fous de ma gueule, là? Non, bon, à part quelques détails, mais tout ne peut pas être parfait, hein. Tant mieux, je suis content de constater que malgré quelques petits orages, c'est rentré dans l'ordre. Voilà. Rentré dans l'ordre? Pas vraiment, hein. Ah bon, pourquoi? Bah, je crois que Christelle a besoin de prendre un petit peu de recul. Oh là, quel genre de recul? Franck, il t'appelle ton frère demain matin, il te fera un petit topo. Elle est où, mon écharpe? J'en sais rien. Eh ben, tu la cherches. Bon, tu l'as mise où? Si je te demande, c'est que je ne sais pas! Vous allez pas vous séparer, quand même. Bon, Yvan, tu m'en voudras pas, mais l'affaire est suffisamment grave, faut que je prenne le temps d'y réfléchir. Attends, Christelle, écoute-moi. Écoute-moi, je t'aime comme ma propre sœur. Je sais pas, moi, par exemple, sur Nicole, tu sais ce qu'on dit, faut avouer et ta moitié pardonner. Oui, alors ce genre de slogan débile. Merci, hein. Une faute est une faute. Bon, elle est où cette écharpe? Bon, écoute, j'en sais rien. Eh ben, tu te bouges! Bouge. Et non. Christelle. Tu retires ta main, Mathilde. Et pourquoi est-ce que tu me parles comme ça? Je suis de ton côté. Non, t'es pas de mon côté, tu n'as jamais été. Et au fond, je suis sûre que tu te réjouis secrètement de ce qui m'arrive. Hein. Même pas secrètement, d'ailleurs. Il n'y a qu'à regarder ta figure. Cet air faussement compatissant que tu affiches depuis tout à l'heure. Hein. Christelle, avec ses teneurs de prix. Son agence immobilière qui vend des appartements de luxe. Son fils, qui est le futur Einstein. Eh bien, il se fait codifier par son obsédé mari. Et c'est bien fait pour sa gueule. Reconnais-le, que ça travaille. Tu es complètement égarée par la douleur, ma pauvre fille. Je ne suis pas ta pauvre fille. Et si tu veux le savoir, je ne suis ni ravie ni compatissante. Je m'en fous. Alors, tu t'en fous. Et moi, je t'emmerde, d'accord? Bon, Christelle, s'il te plaît, maintenant tu te maîtrises. Oui, alors toi, tu vas baiser tes poufs et tu me lâches. Voilà, la voilà, la vraie Christelle, la classe, l'élégance. Le vernis craque, et qu'est-ce qu'il y a derrière? Une marchande de poissons. Et qu'est-ce que t'as contre les marchandes de poissons? Bon, j'ai suffisamment perdu de temps ici. Merde, elle est où cette putain d'écharpe? Mais oui, où elle est? Ça, Hermès, à 6000 euros seulement. Comme quoi, l'argent ne protège pas de tout. Ça n'a pas empêché ton mari d'aller voir ailleurs. Je t'en supplie, Mathilde, n'envenime pas. Non, mais qu'est-ce que tu crois? Que ton avocat vaut mieux que mon dentiste? Mais tu débarques ou quoi? Mais fourre-toi bien dans le crâne que si ça n'est pas par cette petite salope de Talia, c'est forcément par une autre qu'il se fait sucer. Oh, mais... enfin, Christelle, je te permets pas. Elle a peut-être un peu trop bu. Je n'ai pas bu une goutte de ton pinard, c'était de la piquette pour votre chien. Merci, Saint-Nicolas de Bourgueil. Non, mais pourquoi tu crois que ton mari plaide autant en province? Mais c'est pour ne pas avoir à pointer tous les soirs à la maison. Et pourquoi tu crois qu'il ne t'a pas fait d'enfant? Mais parce que le jour, il en aura marre et qu'il divorcera. L'addition sera moins lourde. Il ne sait mieux que personne, il est avocat. Oh, c'est vrai? Non, mais arrête! Elle dit n'importe quoi, elle est pas dans son état normal. Elle a besoin d'une petite piqûre. Non, mais t'es vraiment blanc comme neige, Yvan. Enfin, Christelle, de quoi tu parles? Mais tu le sais très bien. De quoi je parle? Ah d'accord, on prend la Kalachnikov et on commence à tirer sur tout le monde. Bon, Mathilde, on s'en va. On en a assez entendu. Bonsoir tout le monde, super soirée. Hein. Non, mais assez vite. Elle allait dire quelque chose d'intéressant. Tu vois pas quel délire, là? Je délire? Moi, je délire?
Tu veux connaître la dame qu'il s'est tapée? Tu vois un nom, Mathilde? Oh, ça nous regarde pas, hein, Christelle. Oui, alors quand tu cherches mon écha? Quel nom? Mais non, un nom! C'est vague, ça, un nom! C'était il y a longtemps, ça compte plus! Ah, peut-être, mais tu t'es déjà marié. Même jeune marié. Eh ben, c'est bien ce que je dis, c'est vieux. Ça fait un bac que je suis marié, moi. Mais alors, tu reconnais? Mais comment ça, je reconnais rien du tout. Mais enfin, Mathilde, tu vas pas te laisser intoxiquer. Tu vois pas qu'elle digère pas, elle est toute seule, et qu'il faut qu'elle entraîne les autres dans son malheur? Hein? C'est classique comme réflexe, hein? C'était qui? Il y a longtemps, il y a prescription! Il n'y a pas de prescription, ne joue pas à l'avocat avec moi, c'était qui? Mais je sais plus! Si tu crois que je me souviens de tous les détails de ma vie. J'en ai fait des choses dans mon existence. Ah, ça, je te crois volontiers. Mais si tu veux, je peux donner des indices. À l'époque, elle faisait des petits boulots. Elle était très jeune. Très gauche. Très naïve. Elle l'est restée, tu vas me dire. Yvan, c'est qui? Ah, ouais, ça commence à m'intéresser, moi aussi. Non, mais c'est pas vrai. Yvan, t'as couché avec ma femme, je vais te péter la gueule. Papa, vous allez pas vous faire comme des voyous. Hein? C'était bien avant notre mariage. Tu t'es tapé cette tourte! Une fois! Une malheureuse fois! J'avais engagé comme stagiaire un été dans mon cabinet et un soir après le travail. La journée avait été dure. On était fatigué, on a besoin de se détendre un peu. Ça ou un petit whisky, hein? J'aurais préféré que tu te bourres la gueule. Mais peu importe, ce qui compte, c'est le côté occasionnel et non prémédité. Puis je t'ai pas forcé, Nicole, reconnaît. Je t'ai forcé? Non. Mais bon, on se connaissait à peine. Hein. Tu t'es bien gardé de me dire que t'étais marié. Enfin, je te l'ai pas dit parce que c'est pas venu dans la conversation. Et quand Francky a rencontré Nicole dans mes bureaux, c'était déjà fini. Alors on récapitule une fois. Bon, Francky, une fois, comment ça s'appelle? Et d'où je sais, moi? Bon, Mathilde, une fois, comment ça s'appelle? Aucune idée. Bon, ben moi, j'appelle ça un accident, voilà. Non, mais excuse-moi, Yvan, je voudrais pas avoir l'air de chipoter, mais c'était exactement deux fois. Bon, ben deux accidents, alors. Mais ma parole, sous tes airs de gourda, c'était vraiment une salope. Non mais, retire ce mot là, s'il te plaît. Ben dis donc, quand je t'ai connue, tu te doutais bien que j'avais eu des amoureux avant toi. Mais qu'est-ce que tu croyais? Que t'avais rencontré Thérèse de Nazareth? J'ai l'air un peu cucu la praline comme ça, mais je peux avoir mes petits désirs moi aussi, hein. Ben oui, on a tous des glandes, hein. Des montées d'adrénaline, d'hormones, hein. Bon, je sais pas comment on appelle ça. Non, mais ça c'est très bien, ça. Mais alors, on est quitte? Non, on n'est pas quitte, hein. C'est dégoûtant, hein. Quand j'ai eu ma petite affaire là avec Yvan, je ne te connaissais pas, tu n'existes pas. Alors que toi, t'as attendu que j'aille voir ma mère, et t'es mourante, hein, pour aller faire tes saletés. Et tout ça sous notre propre toit. Nicole, tu voulais quoi? Que je donne rendez-vous dans un hôtel pourri comme à n'importe quelle pute? J'ai envie de vomir. Viens, Mathilde. Pousse-toi, sinon je vais te vomir dessus. Il y a un canard qui n'a pas dit son dernier mot, là. Il est en train de remonter doucement, je sens. Non, mais reprends-toi, Mathilde, reprends-toi. Tu sais, j'étais jeune, hein, t'étais jeune, ton mari était jeune, tout le monde était jeune. Ça s'est passé exactement comme je te le dis, hein, je te le jure sur la tête de l'enfant que je porte. La tête de l'enfant que tu portes, il n'a pas encore de tête, ton enfant. Bon, toi, tu te mêles de tes affaires maintenant. Hein. Bon, de toute façon, cette conversation n'a plus aucun sens aujourd'hui. J'aurais jamais dû remettre toute cette merde. Ouais, ben je te le fais pas dire. Enfin, Christelle, comment tu l'as su, toi? Ah, tu connais Nicole, elle a jamais su tenir sa langue. Tout ce qui peut la rendre intéressante. Oui, mais je t'avais fait jurer. Eh bien, tu en as tiré la leçon, j'espère. Non. C'est quoi la leçon? C'est que personne ne peut faire confiance à personne. On en a tous la preuve ce soir.
Eh ben dis donc, si c'est ça ta philosophie de la vie, Christelle, eh ben je ne t'en vis pas du tout. Hein. Tiens, malheureux. Allô, maman? Oui, c'est moi. Non, pas très bien. Est-ce que je peux venir dormir ce soir? Oui, sans Yvan. Je t'expliquerai quand je serai là, oui. Non, Mathilde. Si. C'est ça, va chez ta mère. Va réfléchir, cette fois-là, bien. Non, j'y vais pas pour réfléchir, Yvan, c'est tout réfléchi. Ah, Mathilde, tu vas pas quitter Yvan. Je fais ce que je veux, Nicole, tu me passes les clés de ta voiture. Mathilde. Tu me dois bien ça, tu crois pas? Maman habite Boulogne, tu viendras la récupérer demain matin. Ah non, mais ça m'arrange pas trop. Maintenant, demain, j'ai rendez-vous à 10h pour aller chercher les rideaux du salon. Nicole, j'insiste. Ta mère habite Boulogne? Oui, pourquoi? Ben, la mienne habite Porte de Saint-Cloud, tu peux peut-être me déposer en passant, c'est sur ton chemin. Eh ben d'accord. Je suis prête, là. Bon, Nicole, ça vient, ces clés? Vous êtes vraiment sûre, toutes les deux? Sûre. Sûre et certaine. Bon. Non, mais je vous prête pas ma voiture, je vais vous raccompagner moi-même, hein, je préfère. Nicole... Ça va te faire coucher tard. Oui, non, mais ça me dérange pas. De toute façon, vu la soirée, là, ça m'étonnerait que j'arrive à fermer l'œil, hein. Alors autant m'occuper. Allez, tu vas pas faire l'aller-retour à cette heure-ci. Eh ben, si c'est trop fatigant, je prête l'aller. Ah, Nicole, ça veut dire quoi, je ferais que l'aller? On y va. Bah, Nicole, tu... Nicole! Enfin, elle me répond plus. C'est incroyable, vous avez vu. T'inquiète pas, mon Francky, ça va lui passer. Hein? Oh! Une bonne petite crise de temps en temps, ça fait du bien. Ça met les compteurs à zéro. Remarque, c'est pas sûr qu'il reparte mon compteur à moi. Mais si, elle va disparaître 24 heures, elle va te faire la gueule 8 jours, elle va te dire qu'elle revient. À cause de Théo, et puis dans un mois, elle aura pas oublié, mais elle t'entendra plus. Tu crois? Statistiquement, les choses se passent à peu près comme ça. Tiens. Et alors pour toi? Au moins, même topo à quelques variantes près. Hein. Merci. Oh, je sais pas pour vous, mais alors moi, là, je me sens beaucoup plus... détendu. Ouais, c'est ça. c'est bizarre, mais moi aussi. Qu'est-ce qu'on est bien. Il est de quelle heure, mon Francky, là? Bah, il est pas si tard que ça, hein. Oh, je suis con, j'ai un client qui est revenu de Cuba, il m'a rapporté des Havanes. Oula. Ah, génial. Ah, est-ce que c'est bon? Oh, tais-toi. Voilà.